What finally became of d'Orléans? Was he ever readmitted? Oh, yes, actually. I mean, he was exiled for 8 years, and then Henry IV pardoned him, and he wrote even another eulogy before this one, basically thanking him and kind of giving a public confession in a way of... He was a ligueur repenti, right? So he basically came back after 8 years, but only because Henry IV pardoned him. But he always had this... What's interesting about the figures that I've been looking at is that they often have this sort of ambivalence, right, towards the king, because they have to repent, but some of them don't want to. But if they want to return back to France, there's, you know, this kind of game that they have to play in order to do so. So, but there were other, obviously, ligueurs who were forced out of France and never were able to return because they were too too much against Henry IV. But yeah, so. Can I just ask a quick question? So I wanted to ask each of you one thing. Rose, I was wondering, it was so interesting to hear the way that you talked about this vertiginously sustained plant metaphor and how it altered the conception of absolutism. How does this also mark a new conception of la plante itself? I mean, what about that side of it? Is there a new conception of, and then if you don't mind, if I'll just ask also a second question, then you can answer. So the word cliché came up a lot in your talk, and I was thinking about, you know, la francité of cliché as a French word, and perhaps a concept that is particularly of a particular obsessed, you know, is particularly obsessed over in French literature. And I wonder how that concept shapes, frames, or modulates the way that we're able to even think about paysage français. So anyway. Is it linked to a new conception of the plant? I have not done enough work to know. I can't really answer that question, but I can say what I am interested in. I'm finding texts right now. At the end of the 16th century, the beginning of the 17th, you see this, a lot of the texts around peace and reconciliation, the plant metaphor comes up. And so that is making me think, okay, why do we turn to this metaphor? There are different ways to think about. We've seen... Right, different plant metaphors that are not positive in this way, but I think in this case it becomes sort of a something that allows him to heal, but at the same time keep his diversity. So yeah, I can't answer that because I haven't done enough. But this is what I'm doing right now, this research. The question was I just noticed that the word you use the word cliché, right? It's hard to talk about, right? And I was just wondering if you wanted to meditate at all and reflect on the photographic. Cliché. I mean, the sense of a cliché is something that, you know, the lieu commun, the platitude, all of the, sort of this idea that there's a. I'm thinking about la francité, and thinking about paysage, the 300 cheeses, all of that, right? It's hard to think about this stuff without coming back to the idea of cliché, which I think is a particularly French obsession. This is my sense. In any case, I'm teaching Madame Bovary right now, okay, so that's where. But I don't know if you have any thoughts about cliché, if not. It's okay. Or from the printing press, I think the term, yeah. Stereotype, and it has to do, it involves frame, and as soon as you have a viewer, you have a frame. Mm-hmm. The invention of the countryside, l'invention du paysage, dates back to the beginning to the 15th century, actually, and essentially, and more from the Flemish painters than from the Italian ones, apparently. I'm not an expert on that. But was the idea that transplantation was beneficial to plants a common idea at the time? It was, if you were a natural philosopher, thinking that, okay, I'm going to take this plant and bring it to another soils. In that, I think, setting, yes, but to think about it in a sort of, to bring it into a political narrative is what's striking here, right? We're not just thinking about it within the sort of the natural sciences, la philosophie naturalis, right, from the period. So that's why it's, I don't know if that answered your question. I mean, many of the French trees actually are not native. Mm-hmm. Yeah. This was also a point that Bailly made, trees move all the time. Yes. And the roots move all the time. Yes. And, you know, there is a poem, a famous
poem by Valéry, which says the contrary, of course. Tu penches au platane et te propose nu, blanc comme un jeune cygne, mais ton pied retenu par la force du cygne. Just to give you another story, and one of the other ways he explains this notion of la transplantation is through two extraordinary stories from Pliny the Elder. And one of them is the story of a Roman who has a field of olive trees, and the trees in the middle of the night get up and move to the other side of the road, and they transplant themselves in the same order of rows and so forth. And so it's quite interesting to read this text by Dorion, because it's very liturgical. You know, coming back to this, it's confusing, it's disorienting, because he uses very different examples, but it all kind of comes down to the same idea, which is they love to travel. It makes me think that it is a text by Alphonse Allais. Hmm. The humorist, called Les Végétaux Baladeurs. Yes. Je vais peut-être rebondir sur la question du cliché, la question de la transplantation. Je me permets de parler en français puisque Eugène l'a fait. Je suis couverte, là, c'est bon. Et la première chose, c'est qu'on le sait, beaucoup de fleurs chez Proust, évidemment, il y a une faune, ou plus exactement un bestiaire et une flore. Et les fleurs chez Proust, elles viennent en réalité de Maeterlinck et de l'intelligence des fleurs. Et Maeterlinck montre très bien comment les fleurs françaises qui font le paysage et la campagne française sont en réalité toujours des fleurs et des plantes transplantées qui nous viennent, yeah, qui nous viennent d'Inde, mm, le passage sur les boutons d'or, yes, chez, yes, chez Proust, etc. Donc en réalité, ce qui est très intéressant, c'est de voir que ce qui fait la spécificité de la campagne française à l'époque où il y avait encore des fleurs des champs en France, yeah, c'est-à-dire il y a une cinquantaine d'années, eh bien, c'était des fleurs importées, en quelque sorte. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui. Voilà. Donc, on voit la même chose, en fait, dans ce texte. Il y a beaucoup de... La question de la translatio imperii et translatio... Tout ça, c'est là, mais avec les plantes. Oui, oui. Ouais. Et donc, d'un dépaysement primordial et presque racinaire, terrien, quoi, qui serait l'essence du paysage français. Et puis, autre chose à propos de ce que disait Hannah sur le cliché, et pour rebondir sur ce que disait Eugène... je trouve que vous avez très bien montré à quel point le paysage chez Proust est une affaire de temps et traversé par le temps et par le mouvement, puisque on a apparemment chez Proust tout le temps des stéréotypes sur le paysage qui sont l'aurore, le lever de soleil, le coucher de soleil, voilà, des espèces de gros morceaux, de grosses tartes à la crème, je dirais, du panorama français. Et Proust gêne absolument pas pour reprendre un coucher de soleil, clair de lune, le clair de lune de Combray, le lever de soleil de la fin de Sodome et Gomorre. Ça vient de Chateaubriand aussi. Ça, oui, vraiment. Tout à fait. Ce sont des paysages qui sont avant tout des paysages picturaux et littéraires, et vous disiez avec Alain Roger, Arcialisi. Et en même temps, évidemment, comme Proust est génial, il vient les déconstruire en permanence et les détruire, les défigurer, je dirais, exactement comme il le fait avec le paysage des visages des personnages dans le temps retrouvé, qui deviennent des végétaux, des animaux, des créatures antérieures même à l'apparition de l'espèce humaine. Il y a cette fameuse scène du poisson cathédrale dont a parlé souvent Claude Simon. Mmh. À chaque fois qu'on interrogeait sur Proust, il ramenait l'histoire du poisson cathédrale. C'est à la fin du repas, à ce moment sordide, dit où la salle n'est pas débarrassée. Où la table n'est pas débarrassée, mais sauf si on avait servi un monstre qui nous remet en relation avec les premiers temps de la vie dans le monde, et qu'il compare à une cathédrale. Donc c'est là aussi, on passe du de l'animal et le poisson, il tousse, hein, évidemment, qui vient créer le lien, je pense, peut-être chrétien, on va dire, entre le poisson et la cathédrale. Ah, oui, et donc on est vraiment dans une question de temps, et il y a toute cette ce qui me semble aussi important, et vous l'avez très bien montré avec cette transformation poignante de Combray qui passe de Chartres à Reims. C'est audacieux, c'est extraordinaire de faire ça. Ouais. Ouais.
Et le paysage est toujours arpenté. Il est arpenté dans la voiture de, à cheval de Percepied, avec les trois arbres du Ménil. Il est arpenté en voiture, vous l'avez très bien dit, et ça, c'est aussi un passage qui vient de Maeterlinck, qui est recopié mot à mot. Hein. Il y a une copie mot à mot de Proust. Et puis, le train. Et il me semble qu'entre la voiture et le train, on a des arpentages complètement différents. L'un étant celui du fragmentaire avec le train et les fragments versatiles, et l'autre un paysage qui serait un paysage, pour le coup, de, je dirais, d'incorporation et d'intimidation. Je sais absolument. Pas. C'est-à-dire que le train, comme le dit le narrateur, il accentue en fait le changement. Il accentue en fait la spécificité du lieu. Alors que l'automobile fait exactement l'inverse. Et elle donne une impression de mosaïque dont nous ne nous rendons pas compte aujourd'hui de ce qu'a été cette révolution dans la vision du territoire. Sauf qu'aujourd'hui, on peut quand même, on en a une nouvelle, on en a une sorte de réplique, parce qu'il y a des trains à deux vitesses en France encore. Et le paysage n'est pas le même selon que vous prenez un train rapide ou un tortillard. Oui, ce qui n'est plus le cas, sauf sur les petites lignes. Ça me fait penser, par exemple, aussi Duchamp. Il a fait un voyage en Allemagne où il s'était arrangé pour prendre les trains les plus lents possibles. Alors, hein, c'est une façon aussi de modifier le rapport qu'on a au paysage. Non pas prendre le train qui va le plus vite, le train qui va le plus vite, mais celui qui est le plus lent. Donc, tout ça, ce sont des jeux avec l'espace, mais ça nous montre à quel point ces vitesses façonnent notre vision des choses, ce à quoi nous ne pensons pas toujours. Vous avez parlé de la souffrance, you talk about plant suffering. Mm-hmm. Could you tell us a little bit more about that? Not that. No. Actually, it's something that I'm thinking about a lot right now in the context of this conference festival. How do we, and repentance, because that is, in fact, what I'm working on right now are the limits of the concept of repentance. And if we think about where we are in relationship to the human, the non-human, and so forth, how can, maybe, some people in the audience is going to be, I'd like to branch this out, but how can repentance, how do we think of this concept within what we're living now, right? The question of responsibility, guilt, or no guilt, and punishment, right? In the Catholic Church, you have repentance is defined in this tripartite. You have the confession, you have to have contrition, and you confess, and once you confess, the priest absolves your guilt, culpa. And then afterwards, you perform works of satisfaction, poena. So there's a punishment, and you have to pay back your debt. So if we think about this in the sort of the context that I'm working on, and why all of a sudden do we have this return to the botanical metaphor and so forth? I don't have an answer to this because this is sort of new research for me, but I don't know. I think it's in Canada. La sûre, comment dit-on en anglais, la sûre. S'appelle le sang aussi. Les curés disent, en chair, j'ai entendu ça, le sang aussi. Pour la prochaine kermesse, apporter du sang aussi. Une question pour Eugène. En français ou en anglais. Bon. Merci pour ce commentaire sur le paysage français et à partir du livre de Jean-Christophe Bailly sur l'évitement de la nationalisation idéologique du paysage français. Je me demandais malgré tout si dans les imaginaires du paysage, il n'y avait pas une distinction qui pouvait être faite, c'est-à-dire sur les imaginaires du terroir qui mettent en valeur la source, le ruisseau, et du coup aussi l'histoire, la généalogie, et ceux qui sont plutôt du côté des frontières,
de la plage, comme on l'a vu hier avec Anna. Et pour reprendre un petit peu aussi la distinction que font Guattari et Deleuze entre la surface et la profondeur. Enfin, bon, c'est la carte hein, qui est du côté de la surface et donc la racine qui est du côté de la profondeur. Est-ce qu'il n'y aurait pas là, malgré tout, une distinction à faire? Et je repense par exemple du point de vue du côté des plages, bon, à Proust, mais on pourrait aussi penser à Marguerite Duras, qui était aussi beaucoup dans la description des plages. Et je pense notamment à, c'est toujours assez amusant de penser à ce film India Song, si fameux, sur les bords du Gange, Calcutta, qui nous a tous fait sans doute un petit peu rêver, fumer, je ne sais quoi. Et en tout cas, et quand on apprend que c'est en fait à Trouville que ça a été tourné. voilà. Donc là, c'est pour dire que ces paysages français, finalement, sont dans leur surface disponibles à une extension hors de l'histoire de la francité. Je me demandais s'il n'y avait pas une distinction peut-être possible entre des imaginaires du territoire ou du paysage dans la littérature ou le cinéma français tel que tu les as décrits. Oui. Il y a le désir de la frontière, je crois. L'Europe, enfin, il y a un intérieur, en tout cas, qui se correspondrait à cet enracinement. Alors que ce qui est de l'ordre de la limite, en particulier de la plage, ce serait plutôt de l'ordre de l'horizon, le désir d'horizon. En fait. Alors, effectivement, d'une part, nous avons un élément qui serait plutôt, disons, vertical, et ancré dans la profondeur de la Terre. Je pensais tout à l'heure au déraciné de Barrès, par exemple. Oui. Là, c'est évidemment l'inverse. Le déracinement est néfaste. Et ça, c'est à cause de l'enracinement, précisément. Oui, qu'on retrouverait justement chez les écrivains que tu évoquais, la Creuse, Pierre Michon, Richard Millet, Bergougnou. Absolument. Là, hein, on est là dans le. Bien qu'ils se défendent, évidemment, oui, de sûr. Faire aucunement une littérature régionale, et Michon dit très explicitement que ce qu'il a. Il s'est enraciné pour brûler son enracinement. Mais nous sommes dans l'intérieur ici, il n'y a absolument aucun doute. Ce qui fait d'ailleurs qu'il a en même temps cet intérêt extraordinaire pour le Moyen-Âge, et même pour ce qui est avant le Moyen-Âge. Parce que là, nous sommes dans la dimension, je pense aussi, de l'enfouissement, de la profondeur. Sur la plage, tout bouge. Les jeunes filles, d'ailleurs, tout à l'heure, oui, elles sont comparées à... Ça commence par des madrépores. Oui. Et Proust met à peu près une cinquantaine de pages pour les individualiser. Au début, il ne connaît pas leur prénom, donc il les... l'étiquette par des périphrases, celle qui avait sauté par-dessus le vieux, etc., etc. Donc tout ça, c'est mouvant. Ça va être changé. Et c'est à cause du vent. On dirait qu'il y a du vent, quoi. Et je pensais à une autre chose l'autre jour, en ruminant un petit peu toutes ces choses que j'ai écrites là. Il n'y a pas d'air. Cette plage n'est pas... Quand on va à la mer, on dit l'air de la mer. Chez Proust, il n'y en a absolument pas. À moins que Anne... Je me suis fait exactement la même réflexion hier en t'écoutant Hannah, en me disant, mais c'est drôle. D'ailleurs, chez Marie Dariussec aussi, ce sont des plages... Enfin, il y a de l'air chez Marie Dariussec, mais il n'y a pas forcément du vent. Et on attend. Et finalement, le moment où il y a du vent sur la plage à Balbec, il n'y en a qu'un, dans mon souvenir. C'est quand la grand-mère ouvre les fenêtres de l'hôtel, du grand hôtel de Balbec, pour faire rentrer l'air, et puis que évidemment tout s'envole et qu'elle se fait insulter par tout le monde. Mais c'est un air qui vient du dehors pour aller dans l'hôtel. Mais effectivement, c'est étonnant. C'est quelque chose qui manque, alors qu'on a du vent dans Combray, à la campagne. D'ailleurs, cette dernière phrase à laquelle je faisais allusion hier,
Il y a une momie, le soleil est une momie. Et Françoise désemmaillote la momie. Puisqu'on parle d'arbres, il y a une anecdote que j'aime beaucoup, c'est que Jussieu, qui a planté le grand pin noir du jardin des plantes, était aveugle et il est allé lui dire adieu le matin de sa mort. I had a question. You mentioned if you want to expand the interaction between d'Orléans and the king is absolute, right? Absolute ruler, and his job is to maintain order, right? And where we find ourselves today is so the world is going out of order, and we need to do some penance. And we must submit to nature that is absolute ruler, right? And yeah, I guess actually a lot of what my work is doing is when we think of repentance, it's often as something like you're describing. So it's something that will bring us towards, make us better. it'll bring us towards reconciliation and peace. And what I'm actually doing in my work is looking at how repentance serves violent ends, in fact, how it becomes a mechanism in the affirmation of in the affirmation of monarchical power, for example, how it serves, it undermines or asserts political legitimacy and moral integrity, how it becomes a mechanism of coercion and shapes theories of governance. So it's a very different kind of angle of approach. And I'm thinking about a lot right now about the limits of the concept, getting out of that notion itself of a sort of mondial latinisation, as Derrida would say. And even Montaigne, in some sense, in his essay Du Repentir, is always kind of going, we know he's the sort of unrepentant, right? And so I got to thinking, you know, I was thinking a lot about this essay and why is he talking about this sort of the limits of the concept. And I think it's important here that it comes up in a botanical metaphor, mm-hmm. and nature. I don't know if that kind of, so it's very kind of different what you're saying, but, and I would say Henry IV is important because he had to kind of, we often think, oh, he's the king that brought France together, but I think you have to think of peace as something as hybrid as well, right? It's something that itself is division that you have to bring together. So it's got its own kind of form of violence. And that's another topic that interests me, the question of consolation and how that itself serves kind of the state and so forth. But yeah. When was the lily chosen as the emblem of the King of France? That I do not know, but definitely in the Middle Ages. Yeah, I'm not so sure of exactly. Already. Yes, yes. It's time for one last question. Maybe someone in the audience knows that question. I should probably know that, but yes. J'avais peut-être une question pour vous, Jeanne-Nicole. Justement, vous parliez de cette dernière phrase des jeunes filles en fleurs. Qu'est-ce que vous en faites de ce dernier mot si exotique, en fait, on pourrait dire, à ce roman de la francité dans une large mesure, et cette référence soudain à un ailleurs et à une autre temporalité, à une autre géographie radicalement différente? La phrase est simple, si vous voulez, ça résume toute l'histoire en fait. J'étais venu ici pour voir un pays de tempête et chaque matin quand Françoise ouvrait les rideaux, je voyais ce soleil comme une momie. Donc ça, je ne relierai pas ça directement à la question de la francité, si vous voulez. Vous voyez ? C'est un paradoxe. Et justement, ça semble contredire cet aspect si français, dirait le narrateur de Proust. Ah oui, ça c'est sûr. Mais c'est plein de contradictions, la recherche, comme tous les grandes œuvres.
thank you, both of you, and we'll see you in 15 minutes.